Radiodiffusion Suisse, programme roman. Le studio de Genève présente Énigmes et aventures. Une pièce policière d'Isabelle Villard. Le petit chat est mort. Avec René Habib, Roland Durtal, André Davier, le commissaire gallois, Sacha Solnia, Picoche, Maurice Vambi, Maurice Auffert, Édouard Nerval, Claude Abran, Monique Mani, Iris Avichet, Germaine et Pierre, Denise Gouverneur et Germaine Tournier. Assistant Éric Miche, mise en onde Roland Sassy. Le petit chat est mort. Et avec sa mame, le roi. Un bon camembert, et ce sera tout, Madame Dupuis. Tenez, prenez celui-ci. Votre patron sera content. Mm-hmm. Et bien fait. Juste à point. Parfait. Qu'est-ce que je vous dois? Voyons. 1550 et 300 et 650. Ce qui nous fera 2005 tout juste. Enfin, 25 francs, si je pouvais m'habituer à ces francs-là. Dame, compter comme ça, c'est pour les jeunes. Nous autres, il n'y a rien à faire. Ouf, c'est lourd. Oh, dites, vous êtes trop chargé. Vous ne voulez pas que mon mari vous porte tout ça à midi? Non, non, ça ira très bien. Je m'assierai 5 minutes sur un banc à mi-chemin. Alors, au revoir, Madame Dupuis. Et bonne journée. Au plaisir, Madame le roi. C'est à qui le tour? Ah, Madame Joséphine. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ce matin? Les belles tomates? Ah, voilà mon banc. Ah, ça fait du bien de s'asseoir un peu. Pas vrai? Eh bien, quelque chose qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas bien? Vous n'êtes pas souffrante, au moins. Vous êtes souffrante, madame? Mademoiselle. Pardon. Oh, il n'y a pas de mal. À mon âge, n'est-ce pas? Allons, allons, il ne faut pas vous démonter comme ça. Demain, ça ira mieux. Ça ne peut pas aller mieux. On croit ça, et puis tout s'arrange. Vous avez perdu votre place? Oui. Il y avait 35 ans que j'y étais. Du travail, ça se retrouve. Mais je ne sais rien faire qu'obéir. Obéir à madame d'abord, puis à mademoiselle. Depuis 35 ans, la promenade, la lecture, la couture, la broderie, tout ce qu'elle voulait, et la coiffer, la masser, lui faire les ongles. Elle est morte, votre patronne? Oui. Évidemment, 35 ans, c'est un bail. J'étais en sécurité auprès de mademoiselle. Elle décidait tout pour moi. Je n'avais qu'à dire toujours oui. Qu'à obéir. Oui, alors ça c'est une solution de paresse. Maintenant il faut vous reprendre. C'est trop tard. Et puis à Melun au moins je connaissais les gens, les commerçants, les voisins. Vous n'avez pas pu rester à Melun? Avec quel argent? Sitôt que mademoiselle a été morte, la nièce m'a donné mes 8 jours. Oh, avec une petite indemnité, bien sûr. Mais aujourd'hui, où va-t-on avec quelques milliers de francs? Alors, comme j'ai une sœur à Paris, je suis venue habiter chez elle. Et il y a longtemps de cela? Je suis arrivée avant-hier. Alors, c'est le changement qui vous bouleverse. Ne vous faites pas de bile. Vous vous habituerez très vite, vous verrez. À Paris, il y a autant de villages que de quartiers. Pour finir, tout le monde se connaît. On se retrouve au même marché, dans les mêmes boutiques, les mêmes jardins publics, à la messe dans la même église le dimanche. Et tenez, lundi prochain, vous m'en direz des nouvelles. Vous croyez? J'en suis sûr. D'accord, c'est dur de recommencer à zéro quand on n'a plus 20 ans. Mais vous verrez, vous trouverez des compensations. Une patronne moins exigeante, peut-être. C'était un monstre d'égoïsme. Je ne peux pas me passer d'elle, même de ses défauts et de sa méchanceté. Forcément, l'habitude. Et puis j'ai dû remords. Quand les gens ne sont plus là, on trouve toujours quelque chose à se reprocher. Ah. J'ai dû remords parce que je l'ai tuée. Hein?
C'est moi qui l'ai tué. Mais qu'est-ce que vous me chantez, là? De quoi est-elle morte? Le cœur. Le docteur a dit qu'elle avait le cœur usé. Oh. Ça n'est pas vrai, il n'a jamais battu pour personne. C'est peut-être pour ça qu'il était usé. Les cœurs, c'est comme les pianos. Pour les conserver, il faut qu'ils servent. J'aurais dû l'obliger à voir un médecin. Elle ne voulait pas. Elle a décliné pendant des mois. J'aurais dû avertir la police. La police? Mais pourquoi? Elle croyait qu'on l'empoisonnait. Je lui ai toujours dit qu'elle se faisait des idées. Et vous aviez certainement raison, puisque le médecin a conclu à une mort naturelle. Ne commencez pas à vous en faire à votre tour des idées. Allez, ne pensez plus à tout ça et regardez devant vous. La vie commence demain, vous savez. Vous êtes gentille, madame. Merci beaucoup. Allons. Allons, maintenant je m'en vais. Et il faut que j'aille faire mon déjeuner. Ça m'a fait du bien de causer avec vous. Tant mieux. Oh, attendez! Votre panier est trop lourd. Je vais vous aider à le porter. Non, ça va très bien. La maison est à deux pas. Non, laissez-moi vous aider jusqu'à la porte, je vous en prie. Ça me donnera l'impression d'être encore utile à quelqu'un. Et voilà comment cette pauvre femme a déjeuné d'un perdreau au raisin en me racontant son histoire. Il avait l'air tellement sûr que sa maîtresse est morte à la suite d'une manœuvre criminelle que j'ai décidé de t'en parler. Ah, si Marie te racole des clients sur les bancs publics, maintenant nous voilà propres. Tu ne crois pas qu'il ne s'agit d'un conte de bonne femme? C'est possible, mon vieux Galois, mais si jamais les héritiers de la morte lui ont donné un coup de pouce pour passer l'arme à gauche, on ne peut tout de même pas les laisser jouir tranquillement de leur fortune. Bon. Qui sont ces héritiers? Un neveu et une nièce. Lui est marchand de voitures, la sœur est médecin. Ta protégée est-elle prête à déposer plainte contre eux? Si c'est nécessaire, elle le fera, oui. Bon, nous allons voir. Quand cette femme est-elle morte? Et comment s'appelait-elle? Tiens, mon vieux, j'ai noté tous les renseignements sur ce bout de papier. Donc, du chemin Yolande, mademoiselle. Melun, Villa les RL. Morte le 12 décembre. Docteur Bruges appelé pour constater le décès, l'a attribué à une crise cardiaque. Inhumation 14 décembre à Melun. Voyons, Melun, qui est commissaire central? Attends une seconde. Ça. Melun. Ah, c'est Bruno. Oh, parfait, c'est un copain. Tant mieux. Gilbert, veux-tu m'appeler le commissariat de Melun? Demande le commissaire Bruno, personnel. Et je demanderai à Bruno de passer un coup de fil au médecin, de lui poser la question de confiance. A-t-il examiné le corps assez attentivement pour pouvoir affirmer que l'empoisonnement est exclu? Et s'il confirme son diagnostic de mort naturelle, que faisons-nous? Nous ne faisons rien. Si vous voulez prendre quelques jours de vacances de Noël sur les bords de la Seine, vous tâcherez d'être discret, de ne pas mettre Bruno dans de mauvais draps. Si les soupçons de votre protégé ont quelque apparence de fondement, alors qu'elle dépose une plainte par écrit. Et là seulement, nous prendrons l'affaire en main. Bon, merci mon vieux, je n'attendais pas moins de toi. Oh, bien sûr, je vous ai si mal habitué, toi et ton picole. Oh. Vous êtes devenus de véritables enfants gâtés. Ah, voilà. Allô, Galois. C'est toi, mon petit Bruno. Eh bien, pas mal, je te remercie. Et toi? De nouveau? Oh, félicitations. Mais ça t'en fait combien, ça? 4, hein? Ah oui, 5, j'oubliais les deux jumeaux. Oh, la maman se porte bien? Alors, tant mieux. Oh, où tu penses avec le boulot qu'on a en ce moment? Écoute-moi, voici pourquoi je te téléphone. Tu dois connaître à fond tout ton monde à Melun. As-tu entendu parler du décès d'une nommée Yolande Duchemin? C'est ça, oui. Oh non, tout à fait officieusement pour le moment. Oui, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Bonjour, monsieur. C'est bien ici, chez mademoiselle Duchemin. Oui. Est-ce que je pourrais la voir? Elle est morte et enterrée. Ah, ça m'étonnerait, j'ai rendez-vous avec elle. Vous parlez de la jeune, la doctoresse. Eh? Elle n'habite pas ici. Ah, mais la maison lui appartient, non? Elle m'a dit qu'elle voulait la vendre. On sait rien.
On ne m'a rien dit. Vous êtes le jardinier? Oui. Oh, bon, on le voit tout de suite. Toutes ces belles fleurs. Pourtant, à cette saison, ce sont des fleurs de serre. Je vous ai pas dit d'entrer. Sortez de là. Ah, voilà un portrait bien fleuri. C'est votre fille? Et sortez de là! Vous n'allez pas venir fouiner chez moi, je vous ai pas dit d'entrer! Et sortez de là, mon Dieu! Ça va, vous fâchez pas. Juste un coup d'œil. N'oubliez pas que si j'achète la maison, je peux vous donner vos 8 jours. Et on verra ça. Pour le moment, je suis chez moi. Mademoiselle Duchemin m'a dit que je pouvais visiter ce matin. La maison du jardinier fait partie de la propriété, non? Il y a combien de pièces? Je vous répète que je suis chez moi. Cette maison m'appartient. Ah, mademoiselle me l'a donnée. Vous pouvez acheter la grande villa si ça vous chante et me donner mes 8 jours. Si vous n'avez pas besoin de jardinier, vous mourrez comme voisin. Par exemple, la jeune demoiselle ne m'a pas dit ça. Elle n'en sait rien. Elle est avec le notaire et moi. Ah, maître Garelli? Non, maître Brasier. Vous pouvez lui demander. Elle n'aimait pas sa nièce, votre patronne? Elle n'est jamais la voir. Une visite au jour de l'an, une boîte de chocolat à son anniversaire. Et par la poste encore. C'est malheureux que des gens comme ça héritent d'une si belle maison. Naturellement, le premier soin, c'est de la vendre. Et vous dites des gens comme ça, la doctoresse s'est mariée? Non, je parle de son frère. Une mauvaise graine. Eh, vous me faites perdre mon temps, hein, si on vous a dit que vous pouviez visiter, allez sonner à la villa. La cuisinière encore là. Merci, au revoir, futur voisin. Plutôt lunatique, le vieux. Enfin, je suis pas encore installé au château, hein. Qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je viens pour visiter. Visiter? Oui, visiter la maison. Elle est en vente. Oh? On aurait pu me prévenir. Enfin, entrez. Merci. Vous êtes peut-être la femme du jardinier? Le Gaspard, ce vieux fou, mon Dieu. Dieu m'en garde. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Non, j'étais la cuisinière de mademoiselle Yolande. Ah? Oui, on m'a dit que je pouvais rester là jusqu'à la fin de l'année, le temps de trouver une autre place. Ah, vous êtes resté longtemps chez mademoiselle Yolande? Oh là 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 là, presque toute ma vie. Sa mère m'avait engagé quand j'avais 17 ans, alors vous voyez. Madame, il n'y a donc pas si longtemps. Vous alors, on peut dire que vous en avez de bonnes. Merci quand même pour le compliment, mais ça fait plus de 30 ans. Eh bien, tenez, vous avez vu le hall? Oui. Si vous voulez me suivre. Si. Par ici. Ici, ce sont les salons. C'est couvert de housse parce que mademoiselle ne les utilisait pas. Elle donnait pas de réception? Non, jamais. Depuis les derniers mois, elle ne quittait plus guère son lit. Elle était très malade? Eh bien, on peut dire qu'elle a décliné depuis l'été dernier, oui. Tenez, je me souviens, elle a commencé à se plaindre le lendemain de son anniversaire. Même qu'elle m'a demandé de manger les restes de son repas pour voir si je serais malade aussi. Oh, charmant. Oh, ça. Avec mademoiselle, fallait s'attendre à tout. Elle avait un drôle de caractère. Un drôle de caractère, comme vous dites. Ça, c'est la salle à manger. Belle pièce. Je l'ai vu sur le jardin. C'est vous qui serviez à table? Non, non. Il y avait toujours 2 jeunes filles. Elles sont parties? Oui, le jour même du décès. Elles changeaient tout le temps, d'ailleurs. C'était pas une vie pour des jeunesses. Pourquoi? Ben, Melun, c'est tout près de Paris, c'est pas triste. Si elles avaient eu le droit d'en profiter. Ah, la patronne leur interdisait de sortir? Elles ne pouvaient aller que le dimanche matin à la messe, accompagnées par mademoiselle Ève. La gouvernante? Si on veut, oui. Ben, pourquoi si on veut? Parce qu'elle ne gouvernait rien du tout. C'était le souffre-douleur numéro 1 de mademoiselle. Jamais un mot. Et toujours les yeux rouges. Et ça, c'est la lingerie. Vous croyez qu'elle la haïssait? Ouais, dites donc. Qui êtes-vous? Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que vous me faites bavarder et vous ne regardez même pas les pièces que je vous montre. Quand on va acheter une maison, on la regarde.
Et puis, si vous voulez mon avis, vous n'avez pas le genre à acheter une propriété de plusieurs millions. Ah ben, merci. Dites tout de suite que j'ai l'air d'une cloche. Oh, j'ai pas dit ça. Mais je ne suis pas née d'hier. Vous avez l'air d'un brave garçon comme je les aime, honnête, travailleur, pas d'un abab. Ben, pour rien vous cacher, je travaille dans un garage. Et puisque je suis percé à jour, je vais me mettre à table. J'ai un second métier. Je bosse pour un détective privé. Quelquefois même pour la police. Bravo. Comme ça, on sait où on va. Eh, alors où est-ce qu'on va? Ben oui, inutile de me faire visiter les greniers. Venez à la cuisine, on sera mieux pour causer. Et puis j'ai une spécialité que je vous ferai goûter, une mirabelle maison faite en cachette de la vieille, vous pensez bien. Eh, mais avec ces mirabelles... Oh dame, faut bien se défendre dans la vie, hein. Monsieur, c'est un non-sens. Qu'aurait pu en vouloir à ma tante? C'était un ange de bonté. Et je ne connais personne à Melun qui n'ait eu à se louer d'elle. Vraiment? Les renseignements que je possède me la faisaient imaginer sous un autre jour. Parce que les gens sont stupides et ne jugent que sur les apparences. Bien sûr, une femme qui s'est sacrifiée pour ses parents jusqu'à l'âge de 40 ans et qui ensuite se trouve seule à la tête d'une grande maison et d'un train important, bien sûr, une telle femme est facilement tyrannique. Mais... qu'est-ce que cela? Ma tante a passé sa vie à recueillir des malheureux et à tenter de leur donner un foyer. Le jardinier avec sa fille malade, la cuisinière qui avait été abandonnée avec un enfant, et la fameuse demoiselle Ève, qui est une névropathe et qui aurait fini à l'asile. Je ne sais lequel d'entre eux vous a dit du mal de ma tante, mais si vous voulez mon avis, il a été bien mal inspiré. D'après vous, mademoiselle Duchemin n'avait donc aucun ennemi. Il est tout à fait exclu que l'on ait cherché à l'assassiner. Bon, tout à fait exclu. Je ne vois pas qui a pu avoir cette idée diabolique. À mon tour, monsieur, de vous poser une question. Êtes-vous en possession d'un dépôt de plainte? Car après tout, le médecin a signé le permis d'inhumer, après avoir conclu à une mort naturelle. Parce que personne n'a réclamé d'autopsie. Vous êtes docteur en médecine, mademoiselle. Je ne vous apprendrai donc pas que certains poisons agissent de telle manière sur l'organisme que l'on peut fort bien attribuer le décès à une crise cardiaque. Alors il faudrait autopsier tout le monde. Ma tante avait 70 ans. Elle a baissé comme une lampe et a fini par s'éteindre. Quoi de plus simple? Pourquoi chercher là une cause extérieure? Si c'est là votre avis, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Votre position est-elle officielle? Non, docteur. J'agis à titre privé. En ce cas, vous avez raison, monsieur. Nous perdons notre temps tous les deux. Ah ben, elle en a de bonnes, ma sœur. Un ange de bonté. Ah, laissez-moi rire. Une vieille chipie, oui. Le jardinier, la cuisinière et la dame de compagnie, c'est sa mère qui les a engagés. Elle ne les a gardés à son service que pour pouvoir les tyranniser et les rendre malheureux. Moi, je connais la maison. Geneviève n'y mettait jamais les pieds. Et c'est elle qui reproche aux autres de juger sur les apparences. En somme, contrairement à mademoiselle votre sœur, vous estimez que cette enquête n'est pas inutile. Inutile, non, mais je ne crois pas qu'elle donnera un résultat. Pourquoi? Parce que je ne vois personne d'entre nous qui ait l'étoffe d'un assassin. D'entre nous? Vous êtes lucide. Plus encore que vous ne pensez. Je vais vous dire tout de suite ce que vous apprendrez après de fastidieuses recherches. J'ai essayé pendant des années de soutirer de l'argent à ma tante. Ah. Je voulais qu'elle finance un garage que j'avais l'intention d'ouvrir. Elle n'a jamais voulu me donner un sou. Pour finir, nous avons eu une scène épouvantable et je me suis brouillé avec elle. Merci de votre franchise. Quand a eu lieu cette brouille? L'été dernier, le jour de son anniversaire, le 15 août. Je suis parti en claquant la porte. L'avez-vous revu depuis? Je n'ai revu que son cercueil. Donc, vous n'êtes pas retourné aux RL depuis le mois d'août? Je n'ai pas revu ma tante. Mais vous êtes allé aux RL? Après tout, la cuisinière est bavarde et vous apprendrez ça aussi. J'y suis retourné plusieurs fois, le soir. Mais tante Yolande n'en savait rien. Et pourquoi ces visites... secrète? Oh, une raison bien simple. Ma tante employait une petite femme de chambre que... enfin, qui me plaisait beaucoup. Comme cette jeune personne n'avait pas le droit de sortir, eh bien, c'est moi qui venais la trouver, voilà. Avec la complicité de la cuisinière? Oui, Marthe m'aime bien. Elle pouvait pas souffrir la vieille. L'idée de lui jouer un bon tour l'enchantait.
Cette amourette, dites-moi, était-elle pour quelque chose dans la scène que vous avez eue avec Mademoiselle Duchemin et qui a déterminé votre brouille? Ah non, 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 pas du tout. Ah non. Non, nous n'avons parlé que de questions d'intérêt, tant Yolande a été d'une méchanceté difficile à décrire. Un petit résumé me ferait plaisir. J'étais dans une mauvaise passe au point de vue financier. Elle s'en réjouissait visiblement. Il y avait des années qu'elle jouait avec moi au chat et à la souris. Ça l'amusait de me voir tirer la langue devant son argent et de lui lécher les bottes. Mais j'en avais assez, je le lui ai dit. Alors elle m'a accusé de vouloir l'empoisonner. Et comment cela? Elle a jeté par terre et piétiné le gâteau d'anniversaire que je lui avais apporté en me disant « Tu ne l'auras pas ton garage, tu ne l'auras jamais, paresseux, bon à rien, même après ma mort. Ainsi inutile de chercher à me tuer, je te déshérite. » Oui, mais enfin, l'a-t-elle fait? Oh, sûrement. Le notaire ne nous a pas encore convoqués pour l'ouverture du testament, mais je ne compte pas sur un centime. Mademoiselle Duchemin avait donc une préférence marquée pour votre sœur Geneviève. Ne croyez pas ça. Non, simplement, Geneviève est une scientifique et elle se fiche totalement de l'argent. Elle gagne d'ailleurs ce qu'elle veut. La vieille le savait. Alors, donner son argent à quelqu'un qui s'en fiche et en priver quelqu'un qui l'aime et en a besoin, c'était tout à fait dans sa manière. Mais pour ce qui est de marquer une préférence, elle n'aimait pas davantage mon toubib de sœur que moi. Enfin, que lui reprochait-elle? D'exister, d'abord. Ah. Je m'explique. Comme beaucoup de jeunes filles qui se consacrent entièrement à leurs parents, Yolande a vieilli sans s'en apercevoir. Quand ses parents sont morts, elle s'est trouvée seule et sans amis. Elle n'a jamais cessé de reprocher à mon père ce qu'elle appelait sa jeunesse perdue. Votre père était son frère, n'est-ce pas? C'est ça. Il a quitté très tôt la propriété de Melun, il s'est marié, nous sommes venus au monde. Il habitait Paris et venait voir ses parents tous les dimanches. Mon père était un homme normal qui a vécu normalement. C'est pourquoi Yolande le haïssait. Un sacrifice n'a de valeur que s'il est consenti de grand cœur. Yolande aurait mieux fait de quitter les Hérelles plutôt que de passer le restant de ses jours à regretter de ne pas l'avoir fait. Et à le reprocher à tout le monde. Après tout, elle a conduit sa vie comme bon lui semblait. C'est la faute de personne. Mais elle ne nous a jamais aimés, ni ma sœur, ni moi. Du moment qu'elle n'avait pas eu d'enfant, personne n'aurait dû en avoir. Comprenez-vous? C'est votre sœur qui est médecin, monsieur, mais il me semble que des deux, c'est vous le meilleur psychologue. Geneviève vous dirait la même chose si elle consentait à penser 5 minutes à autre chose qu'à ses clients névrosés. Il est vrai qu'elle est débordée de travail. Vous m'avez dit tout à l'heure, aucun d'entre nous n'a l'étoffe d'un assassin. Et vous avez entrepris avec esprit et franchise de faire votre propre procès. Voudriez-vous me dire 2 mots des autres personnages de cette histoire? Vous voulez parler de l'entourage de ma tante? C'est ça. Oh, c'est facile. Il la détestait cordialement. Mais il vivait d'elle et savait qu'il n'avait rien à attendre de sa mort. Pour le jardinier, pour la cuisinière, pour la vieille Ève, tuer Yolande, c'était tuer la poule aux œufs d'or. Bon, c'est pourquoi je vous dis, monsieur Durtal, je ne pense pas que votre enquête aboutisse. Enfin, néanmoins, si je puis vous être utile, n'hésitez pas à venir me trouver. J'adore les romans policiers, même mauvais. Je ne suis pas si sûr que celui-là ne vous réserve des surprises, monsieur Duchemin. Encore un mot, si vous permettez. J'aimerais avoir l'adresse de cette jeune personne. Vous savez, la soubrette que vous veniez voir en cachette aux Hérelles. J'irai lui poser quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout, cher monsieur. Mais si un jour je suis accusé de meurtre, ne comptez pas sur elle pour témoigner contre moi. Je l'épouse demain matin. Ah bon? Félicitations. Merci. Et l'épousez-vous pour cela? Comment, pour cela? Parce qu'une femme ne peut pas témoigner contre son mari? Ah non, rassurez-vous, alors non. Ah non, je l'aime. Elle n'a pas un sou, moi non plus, je pense donc que tout ira bien. Croyez-moi, les visites secrètes ont leur petit côté romantique, et ce piment-là assaisonne très bien l'amour. Je ne regrette qu'une chose, c'est que ma tante soit déjà morte. Elle aurait eu là une belle occasion de crever de dépit. Collection de dentelles. Mon seul luxe. La seule chose que j'avais à moi. Rien qu'à moi. Mes belles, mes chères dentelles. Mais faut pas vous désoler, mademoiselle Ève. On peut peut-être les réparer. Les réparer. Vous êtes un homme, monsieur Picoche. Demandez donc à madame Marie ce qu'elle en pense. Non, évidemment, on ne peut rien faire. Pas dans l'état où elles sont. Ce qui faisait leur prix, c'était leur excellent état. Des dentelles anciennes, sans un accroc. Tenez, regardez celle-là. C'était un bonnet 1830. On ne le reconnaît même pas.
Ouais, c'est vraiment systématiquement tailladé à coups de ciseaux. Une vraie pitié. Et vous venez seulement de vous en apercevoir? Oui. Ces derniers mois, j'avais trop à faire avec mademoiselle pour pouvoir les regarder. C'est seulement hier, quand j'ai voulu les montrer à ma sœur. Oh, j'ai cru que mes jambes se dérobaient sous moi. Mais vous êtes sûre que c'est votre patronne qui a fait cela? Comme si je l'avais vue de mes yeux. Et puis elle seule savait que je possédais cette collection. Elle seule savait combien j'y tenais. Je n'ai jamais acquis une nouvelle pièce sans la lui montrer. Mais je ne comprends pas. Elle était très riche, non? Si des dentelles lui faisaient envie, elle pouvait en acheter autant qu'elle voulait. Non, non, ce qui lui a fait plaisir, c'était de m'en déposséder. Voyez-vous, je crois qu'elle ne supportait pas... Comment dire que... Que l'on possède quelque chose? Que l'on aime quelque chose ou quelqu'un. Elle n'aimait rien. Au fond, c'est elle qui était pauvre, malgré tout son argent. Ah. Tenez, voilà M. Roland. Oui. Bonsoir, M. Roland. Bonsoir, patron. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Antipicoche. Tiens, mademoiselle, vous êtes venue aux nouvelles? Oh, mais vous avez l'air atterrés tous les trois. Et qu'est-ce que c'est que ces débris? C'est des dentelles anciennes. Une collection à mademoiselle Ève. La douce Yolande les a toutes découpées au ciseau en cachette. La peau vient de s'en apercevoir. Charmant. Je suis désolé pour vous, mademoiselle. J'y tenais tellement. Mon jeune ami ici présent a longuement bavardé avec Marthe, la cuisinière des Irel. Je crois que ce n'est pas la première preuve de méchanceté que Yolande Duchemin vous ait donnée. Ah, elle vous a dit. Vous voulez parler de Monsieur Léopold? Oui, je ne sais pas comment s'appelle ce monsieur. Elle nous a dit seulement que vous aviez eu l'occasion de vous marier et qu'elle vous en avait empêché. Oui, c'est bien cela. J'avais déjà 35 ans. Ce monsieur était voyageur de commerce, un veuf avec deux petits-enfants. Mademoiselle lui a raconté je ne sais quelles horreurs sur mon compte. Je ne l'ai jamais revu. Ah ben c'est pas dur, elle lui a dit qu'elle détestait les enfants et qu'en plus elle avait une maladie contagieuse. Ah oui? Puisque Marthe s'est si bien raconté les affaires des autres, est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle lui avait fait à elle? Quand elle lui faisait goûter les plats qu'elle préparait? Non, non, bien avant. Moi, j'ai jamais eu le courage de la quitter parce que la vie me faisait peur. Gaspard, le jardinier, pauvre homme, depuis la mort de sa fille, cette petite maison et ses fleurs, c'était tout ce qu'il rattachait à la vie. Mais Marthe, elle, ne l'a pas quitté parce qu'elle ne pouvait pas. Comment cela? Elle a essayé de partir, Marthe. Elle n'a jamais pu se placer ailleurs. Elle est mauvaise cuisinière? Excellente. Chaque fois qu'elle a trouvé une place, les gens qui voulaient l'engager téléphonaient à mademoiselle pour avoir des renseignements, comme on fait toujours. Eh bien, elle la faisait passer pour une voleuse. Évidemment, on la congédiait bien vite sous un méchant prétexte. Une seule fois, un couple d'Américains a refusé d'en tenir compte. Marthe est restée quelques mois chez eux, mais le jour où il a manqué un collier de perles... Mais ils l'ont fait arrêter. Elle a fait de la prison? Oui, monsieur, pour vol. Elle qui est l'honnêteté même. Vous pensez bien qu'après cela, pour trouver à se placer... Alors mademoiselle lui a écrit que si elle voulait revenir aux Irel, elle passerait l'éponge. Et Marthe est revenue. Il y a 20 ans de ça. Et l'enfant de Marthe, qu'est-il devenu? Elle avait bien un fils naturel, n'est-ce pas? Oui, il est parti en Amérique. C'est mademoiselle qui lui a trouvé une place là-bas. Oh, il ne s'occupe pas beaucoup de sa mère. Marthe savait-elle que mademoiselle Duchemin était responsable de tous ses ennuis? Elle ne le savait pas. Mademoiselle m'avait fait jurer de ne jamais le lui dire. Mais je n'ai pas tenu mon serment. Quand le lui avez-vous dit? Le 15 août. Ah, le jour de son anniversaire. Vous savez cela? Oui, c'était le soir même. Elle avait renvoyé M. Gustave, son neveu. Or, M. Gustave, c'était mon rayon de soleil. Quand j'ai compris que je ne le verrais plus. Et maintenant, mes dentelles. Et c'est cette femme-là que vous regrettez? Plus maintenant. Maintenant, je la hais. Je suis contente qu'elle soit morte.
Apparemment, vous avez bien travaillé. Vous ne m'apportez aucune preuve, hélas, mais un fait bien établi. Yolande Duchemin était une femme haïssable. Et tout le monde avait une raison de la faire passer dans un monde meilleur. Et la possibilité de le faire, Gallois, n'oublie pas ça. Oui. La nièce, mademoiselle docteur, est la seule, en somme, qui ne la détestait pas. Ah, mais c'est elle qui avait le motif le plus fort de la supprimer. Elle hérite. Et elle a envoyé une boîte de chocolat le jour de son anniversaire. Mais évidemment, oui. Comme médecin, il lui était plus facile qu'à n'importe qui de se procurer un poison pour en imprégner les bonbons. Le neveu, lui aussi, a un mobile solide. Sa tante lui refusait une somme dont il avait grand besoin. Et il a pu espérer la tuer assez rapidement pour qu'elle n'ait pas le temps de modifier son testament. Et il lui a apporté un gâteau pour son anniversaire. Elle l'a pas mangé, elle l'a piétiné. Bon, ça, c'est lui qui le dit. Marthe, la cuisinière, avait de solides raisons de se venger de sa patronne. Et c'était la mieux placée pour l'empoisonner lentement. Quant à votre mémé dentelle, rien ne l'empêchait de forcer les doses des médicaments qu'elle était chargée de lui faire prendre. Mais tout de même, le fait qu'elle m'ait tout raconté l'élimine un peu de la course, tu crois pas ? Tu sais, les assassins sont parfois les premiers à dénoncer leur crime, s'imaginant que ça va les mettre à l'abri des soupçons. Mais c'est comme pour les dentelles. C'est pas exclu que quelqu'un ne les ait déchirées pour faire croire que c'est la Yolande qui l'a fait. Bah, histoire de pousser mémé dentelle à se fâcher une bonne fois. Alors qui l'aurait fait ? La cuisinière, les petites bonnes. Ah, à propos de petites bonnes, Picoche, il faudra que tu ailles questionner la fiancée de Gustave. Oh. Cette jeune personne était en place chez Yolande au moment de l'algarade de ce fameux 15 août. Elle pourra peut-être nous dire deux mots du gâteau d'anniversaire. Car enfin, c'est tout de même le lendemain que Yolande est tombée malade, ne l'oublions pas. Oui, cette petite peut nous être utile, tiens. Voici son adresse. Il faudra que j'y aille, patron. Vraiment, vous ne pouvez pas me délivrer de cette corvée. Hypocrite. Celui-là. Ben, si tu préfères, tu retourneras voir ton ami le jardinier. Je crois que ce vieux-là peut encore nous apprendre bien des choses que nous ignorons. Ben oui, après tout. Lui aussi pouvait s'introduire à la cuisine pour empoisonner les plats et à l'insu de Marc. Et ou avec sa complicité. Ah, évidemment, le jardinier est apparemment le seul pour qui Yolande ait été bonne. Elle lui a fait cadeau de la maison qu'il habite, ainsi que du terrain qui l'entoure. Le bonhomme peut continuer à cultiver ses chères fleurs de serre. Oui, mais elle était drôlement exigeante avec lui. Chaque matin, un bouquet de fleurs fraîches, et toute l'année. Ça demande un drôle de travail, et bien des nuits blanches, avec la gelée du même surtout. Hein. Bon, alors je me charge du jardinier, tu te charges de la soubrette, ou bien veux-tu l'inverse, hein? Qu'est-ce que tu préfères, Bob? Bob, à tout prendre, le sacrifice sera moins grand d'aller interroger la soubrette. Ouais. À tout prendre. Bah, bien qu'une jeune mariée, ça soit pas mon rayon. Non, mais avec le vieux, j'ai idée que je suis grillé, moi. Maintenant, si vous voulez mon avis, vos idées de vengeance domestique, c'est un peu de la poésie. Comme te l'a dit le neveu, pour eux tous, Yolande n'était intéressante que vivante. Non. Non, il faut comme toujours chercher à qui profite le crime. Si crime il y a, ce qui n'est pas encore prouvé. Mais le neveu ou la nièce, alors? Et le neveu ou la nièce. En penchant plutôt vers cette dernière, qui a feint pour sa tante une admiration, une affection, qu'elle ne ressentait certainement pas. Seulement, je ne peux pas l'attaquer en face avant d'avoir une position officielle. Et de même pour le notaire Brasier. Tu as posé la question au commissaire Bruno? Mais oui, il a été catégorique. Maître Brasier est de la vieille école, très à cheval sur le secret professionnel. Il ne recevrait même pas un enquêteur privé. Eh, ma foi, Durtal, je crois que c'est le moment de demander à ta demoiselle Ève de signer sa plainte. Eh oui, c'est que... Là, justement, il y a un cheveu. Et un fil de dentelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, il y a que... Elle ne veut plus. Mais comment ça? Tu m'avais dit... Oui, mais il y a eu un fait nouveau. Et les dentelles l'a serré. Elle avait tout supporté, sauf ça. Bah, elle dit maintenant que si quelqu'un a empoisonné la vieille, il a bien fait. Oh. Et qu'elle voudrait le remercier à genoux. Bon, enfin, c'est insensé. Quoi, c'est une girouette, votre bonne femme. On n'a pas le droit de vie ou de mort comme ça sur les gens. Faut insister, faut lui démontrer. Nous avons tout essayé hier soir. Même le champagne. Elle est irréductible. Le meurtrier éventuel devrait être canonisé. Bon, alors, voyons, nous voilà arrêtés par une bêtise. Tu sais bien que je ne puis ordonner l'exhumation sans que la justice soit officiellement saisie de l'affaire. Et sans exhumation, pas d'autopsie. Sans autopsie, pas de preuve. Et sans preuve, pas de crime. Ne te fais pas souci, mon vieux. Je crois que j'ai une idée. Et au besoin, je déposerai plainte moi-même. Ah, après tout, c'est un droit qui est offert à chaque citoyen.
Mais rendez-vous compte, je me suis mariée il y a une heure. Ah ben, je suis content d'être le premier à vous dire madame. Ah, vous êtes le second, bien sûr. L'officier d'état civil m'a dit, voulez-vous signer ici, mademoiselle? Merci, madame. Ah, vous êtes jolie comme un cœur, petite madame. Mais votre mari vous a déjà laissée toute seule? Je prépare le déjeuner. Dame, je suis ma propre bonne à présent. Oh, croyez-moi, c'est beaucoup plus drôle que de travailler pour les autres. Et surtout pour mademoiselle Duchemin. Oh, comme vous dites, Gustave m'a prévenu de votre visite. C'est pourquoi je ne vous ai pas fermé la porte au nez. Mais vous mentez pas, gentille dame. Fermer la porte au nez des gens, ça ne doit pas être votre genre. Hein. Non, vous avez raison. Moi, j'aime tout le monde. Je ne peux pas m'en empêcher. Gustave m'a dit 100 fois que les gens sont méchants et qu'il faut s'en méfier. Ah, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je crois que les gens sont bons, au fond. C'est les soucis qui les rendent méchants. J'ai toujours pensé que je pourrais raisonner un assassin et le faire renoncer à son crime. Vous avez le cœur à la bonne place. Et si tout le monde était comme vous, je pense que les méchants finiraient par être désarmés. Où il est, votre Jules? Mon Jules? Oui. Oh, alors ça, alors c'est la première fois qu'on me le dit. Ah ben, mon Jules, comme vous dites, il est allé payer l'apéritif à nos deux témoins. Ensuite, il me les amène ici. J'ai acheté des demi-langoustes toutes prêtes et j'ai cuit de beaux poulets. J'espère que ça ira. Vous cuisinez bien? Oh, ça, je suis tranquille. C'est Marthe qui m'a appris. Elle vous aime bien, Marthe. Hein? Vous pensez? C'est mon témoin, d'ailleurs. Ah? Et le témoin de Jules, c'est qui? C'est Gaspard, le vieux jardinier. Oh, ça, par exemple, mon voisin. Pardon? Non, rien. Je l'ai vu une fois. Il m'a paru plutôt bourru. Oh, c'est un ange. Il a un cœur d'or. Voyez-vous, quand j'étais aux RL, à part Gustave, bien sûr, c'était mon seul ami. Je m'échappais de temps en temps et j'allais jusqu'à sa petite maison. Il m'aime bien. Je lui rappelle sa fille, pauvre homme. Mais elle est morte, non? Quand j'y suis allée, j'ai vu un portrait tout entouré de fleurs. Et ce doit être elle. Bien sûr. Pauvre Gaspard. C'est un homme qui a été durement frappé. Il adorait sa femme, voilà qu'elle meurt en couche. Il adore sa fille, l'élève au prix de 1000 sacrifices. Elle meurt à 20 ans, leucémique. Et il le savait, le pauvre. Elle était condamnée. Il l'a cajolée jusqu'au dernier jour, mais il n'y a rien eu à faire. Dites, soyez gentils. Posez-moi vite les questions que vous avez à me poser, parce que je suis dans tous mes retards. Il faut encore que je mette la table et que je fasse ma mayonnaise. Regardez les belles fleurs que Gaspard m'a envoyées. Des œillets et des lys. Ah, à cette saison. Magnifique. Allons, allez-y vite. Je vous écoute 5 minutes. Voilà. Je voudrais savoir si la mère Yolande a bien reçu la traditionnelle boîte de chocolat de sa nièce le jour de son dernier anniversaire. Ah, ça, elle l'a reçue. C'est moi qui l'ai lui apportée. Vous en a-t-elle offert à vous ou à son neveu? Pas un. Et elle nous a dit, ces chocolats sont pour moi. C'est le cadeau annuel de Geneviève. Je ne veux pas commencer à les offrir à droite et à gauche, il m'en resterait plus. Mmh. Mais vous voyez, c'était clair. J'en ai sûre, mignonne? Absolument. Bon. Autre chose, a-t-elle mangé du gâteau de Gustave? Elle aurait pu en manger, mais alors, en le ramassant par terre. J'étais là quand elle l'a acheté. Elle l'a envoyé promener d'un coup de pied et... Comme elle était terriblement à cheval sur la propreté, ça m'étonnerait qu'elle l'ait ramassée sur le parquet. Ouais. Ah, je pourrais pas vous jurer qu'elle ne l'a pas fait, car il paraissait incomplet quand j'ai ramassé les morceaux. Vous êtes honnête, petite Lucienne. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je ne peux pas vous affirmer qu'elle n'y a pas touché. Ben oui, après tout, ce gâteau, c'est votre amour qui l'avait acheté. Encore une chose que je comprends pas. Vous voulez-vous me dire quel tort peut faire la vérité aux honnêtes gens? Gustave est honnête, je jure. Et je vais vous dire mieux que ça, monsieur Picoche. Il traitait sa tante de vieille chipie et il s'est fâché avec elle. Mmh. Mais si vous voulez mon avis, c'est le seul qui l'aimait un peu. Mais il avait du mérite. Il la comprenait. La vieille était aigrie, sèche, sans cœur. Mais même si elle était méchante, elle était malheureuse, comprenez-vous? Et je comprends. Mais alors croyez-moi, quand je vous dis Gustave n'a pas empoisonné sa tante, il ne l'a pas fait, je vous jure. S'il l'a fait, j'accepte d'être condamnée à sa place et je me coupe tout de suite les deux mains. Mais n'en faites rien au nom du ciel. Votre déjeuner de noces ne serait jamais prêt et ça effacerait votre beau sourire. Déshabillez-vous. Docteur, pourquoi? C'est l'estomac, je vous dis. Enfin, monsieur, êtes-vous venu me consulter, oui ou non? Je vous assure que c'est pas la peine que je... C'est l'estomac. Laissez-moi vous ausculter. Déshabillez-vous, au moins jusqu'à la ceinture. Depuis le haut? Mais évidemment, depuis le haut, ne soyez pas si naïf. Ah bon? Comme ça, ça va?
De quoi souffrez-vous? Des tiraillements, des brûlures, des picotements. Depuis quand? Avant-hier. Qu'avez-vous mangé avant-hier? Rien de spécial. De la langouste, du poulet, un gâteau moka au kirsch avec des bougies. La langouste était fraîche? J'espère bien, avec le prix que je l'ai payé. Non, ça ne veut rien dire. Avez-vous eu l'impression qu'elle était fraîche? Oui, elle avait bon goût, avec une mayonnaise. C'était très bon. Mais faut vous dire que c'était mon anniversaire, même un jubilé. J'ai eu 30 ans. Ça n'a aucun intérêt pour ce qui nous occupe. Avez-vous mal quand j'appuie là? Non, pas spécialement. C'est seulement vos ongles. Et là? Non, ça va. Faut vous dire que je me méfie un peu. Et j'ai reçu une boîte de chocolat et une boîte de chocolat de quelqu'un qui me déteste. Et ça m'a bien un peu étonné qu'il me l'envoie. Enfin, je me suis dit peut-être qu'il veut rambiner. Et alors? Alors, j'en ai mangé plusieurs. Je me demande maintenant si on n'a pas cherché à m'empoisonner. Avez-vous rendu? Non. Et les sels, du sang? Non, pas de sang. Avez-vous beaucoup bu d'alcool? Dame, pour un anniversaire, on a descendu quelques bouteilles, sans excès. Si j'appuie ici, vous souffrez? Souffrir vraiment? Non, docteur, non. Mais ça tiraille un peu. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Merci. J'ai terriblement mal à l'estomac, vous savez. Croyez pas que ces chocolats étaient empoisonnés. Une seconde. Tenez, buvez ceci. Boire ça? Mais c'est que... Mais ne craignez rien, un médecin n'empoisonne pas ses clients à plaisir. Mais je peux pas le boire demain. Non, prenez cela maintenant. Demain, il n'y paraîtra plus. Ah bon? Oh, est-ce que c'est mauvais? Ça n'est pas bon, certes, c'est de l'huile de ricin. Oh, vous savez, c'est classique. Mais dans votre cas, une bonne purge, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ah, une bonne... Ah ben bravo, moi qui ai affaire aujourd'hui par-dessus la tête... L'essentiel, c'est la santé, n'est-il pas vrai? C'est pour cela que vous êtes venu. Oui, bien sûr. Mais de l'huile de ricin, tout de même. Merci quand même, docteur. Qu'est-ce que je vous dois? Ne vous faites pas de soucis, je vous enverrai la facture. Bon, alors merci, docteur. Au revoir, madame. Un instant. Oui. Quand vous verrez celui qui vous emploie, dites-lui que je n'ai pas assassiné ma tante, voulez-vous? Mais je comprends pas. Quel temps? Mais ça va. Dites-lui aussi qu'une fois de plus, il m'a fait perdre mon temps, qu'il a perdu le sien et le vôtre pour la journée. Au revoir, monsieur. Je vous ai reçu, monsieur, parce que le commissaire Bruno m'a prié de le faire. J'ai peu de temps. Veuillez donc me dire succinctement le but de votre visite. Maître, vous avez vu ma carte? Je suis ethnographe. Distingué, même. Oh, oui, distingué. Il m'a été donné d'entendre une de vos conférences à la Sorbonne. Il se trouve que l'ethnographie me passionne. Eh bien, je suis heureux que vous me connaissiez de nom. Au moins, vous êtes certain de mon honorabilité. Assurément, monsieur Durtal. Je suis tout prêt à vous aider, si je le puis. Qui est-ce qui vous amène à Melun dans ma modeste étude? Un cas de conscience. Je vous écoute. Tout citoyen a le droit de dénoncer un crime s'il en soupçonne l'existence. Or, j'ai l'intention d'en dénoncer un assez récent, qui s'est passé à Melun. Néanmoins, je ne voudrais pas me couvrir de ridicule. Vous seul pouvez me donner les précisions qui me manquent. C'est un cercle vicieux, monsieur Durtal. Je ne pourrai vous donner ces renseignements que si votre plainte est officiellement enregistrée. Le secret professionnel, n'est-ce pas? Oui, je comprends, maître Brasier. C'est pourquoi je fais appel non pas à votre probité professionnelle qui est célèbre, mais à votre intelligence non moins connue. Voici de quoi il s'agit. Je suis persuadé que mademoiselle Yolande Duchemin a été assassinée, empoisonnée probablement. Mais je ne suis pas assez sûr de mon fait pour déposer plainte. Sans votre aide, j'ai les mains liées. Expliquez-moi tout au moins de quoi il s'agit. Enfin, qu'est-ce qui vous fait penser que l'on a pu attenter au jour de mademoiselle Duchemin? Mademoiselle Duchemin craignait qu'on ne l'empoisonne. Elle me l'a fait savoir, par personne interposée.
j'ai fait une petite enquête qui m'a amené à la conclusion qu'elle avait beaucoup d'ennemis qui chacun avait une raison de la supprimer. Seulement, il me manque des détails, et vous seul, maître, les détenez. Sans ces détails, je laisserai courir les choses. Alors, qu'allons-nous faire ? Vous m'embarrassez beaucoup, monsieur Durtal. Moi-même, je... Eh bien oui, cette affaire me préoccupe également. Ah oui ? Je n'ai évidemment pas le droit d'en parler. Mais ma conscience n'est pas en repos et je ne vous cacherai pas que chez moi, les insomnies succèdent aux mauvaises journées. Le secret professionnel, hélas, m'interdit de vous révéler ce qui m'a été confié. Alors, n'en parlons plus. Laissons vous et moi, l'assassin de Mademoiselle Duchemin, courir en paix. Cruel dilemme. Enfin, que faire ? Il est bien entendu que je ne ferai aucune pression sur vous. Bien entendu. Sinon, je vous prierai de clore cet entretien. Bien entendu. Un moment, s'il vous plaît. Eh bien, voilà. Je pense que dans ce monde, il faut savoir endosser ses responsabilités. J'ai pris ma décision. Je vais vous dire tout ce que je sais et tout ce qui me tourmente. Soyez certain que j'en ferai bon usage, maître. Je n'en doute pas. Le coup de téléphone du commissaire Bruno ne me laisse aucune crainte à ce sujet. Merci. Voyez-vous, monsieur, je connaissais peu Mademoiselle Duchemin. Néanmoins, je m'occupais de ses affaires et j'étais chargé de gérer sa fortune. Or, son testament était accompagné d'un petit carton sur lequel était inscrit « À n'ouvrir qu'après ma mort ». Naturellement, j'ai respecté cette condition et je n'ai ouvert ce colis que le 13 décembre, lorsque le décès de Mademoiselle Duchemin m'a été connu. Vous n'avez pas encore convoqué les héritiers pour la lecture du testament, si mes renseignements sont exacts. Non, justement. J'avais à faire quelques vérifications pour lesquelles plusieurs jours étaient nécessaires. Car voici la lettre qui accompagnait le colis. Je vais vous en donner lecture, puisque j'ai décidé de vous faire confiance. Et dites-vous que si je le fais, c'est que je suis persuadé, moi aussi, que Mademoiselle Duchemin a été assassinée. Vous voyez. Oh, on ne peut laisser le crime impuni, n'est-il pas vrai ? Voici le document. Je l'ai reçu bien avant le décès de Mademoiselle Yolande, très exactement le 30 septembre de cette année. La lettre est de la main de Mademoiselle Duchemin. Je connais son écriture. Cher maître, je suis certaine que l'on cherche à m'empoisonner. Je vous prie de garder à ce sujet le silence le plus absolu. Je mène moi-même ma petite enquête et j'espère confondre le coupable. Si toutefois je n'y parvenais pas et que je meurs de façon soudaine, veuillez avoir, avant d'ouvrir mon testament, l'obligeance de faire analyser les substances qui se trouvent dans le carton ci-joint et conformer votre attitude aux prescriptions suivantes. Si le bonbon en chocolat est empoisonné, avertissez la police et portez plainte de ma part contre ma nièce, doctoresse Geneviève Duchemin, dont suit l'adresse. Si c'est le morceau de gâteau qui contient une substance vénéneuse capable de donner la mort, veuillez faire la même démarche à propos de mon neveu Gustave Duchemin, etc., etc. Mm-hmm. La mèche de cheveux et les ongles sont destinés à accuser ma cuisinière, Mademoiselle Marthe Bridet, s'ils contiennent de l'arsenic ou d'autres substances similaires qui se déposent dans les ongles et dans les cheveux. Une petite bouteille ci-jointe contient de la digitaline, médicament que Madame de compagnie, Mademoiselle Ève Blanquin, était chargée de me faire absorber. Voyez si la concentration vous en paraît normale, sinon déclenchez une action judiciaire contre elle. Si aucune de ces analyses ne donne le moindre résultat, veuillez exécuter les dispositions testamentaires suivantes. Suis le testament. Quelle en est la teneur ? La fortune totale va à son neveu, Gustave Duchemin, tiens, ainsi que la maison Les Herelles, destinée à construire un garage. Mais à son neveu, vous êtes sûr ? Pas à sa nièce ? La doctoresse Duchemin hérite d'une somme de 100 000 nouveaux francs, destinée à l'aider dans ses recherches scientifiques. Pas un sou de plus. Et croyez-moi, monsieur Durtal, ces 100 000 francs ne représentent même pas le dixième de la fortune. Et encore, je ne compte pas la maison qui vaut plusieurs millions. Mademoiselle Duchemin connaissait tout de même bien son monde. Et les employés ne profitent-ils pas du moindre lait ? Car enfin, trois d'entre eux l'ont servi pendant 35 et même 40 ans. Leur nom n'est même pas mentionné, monsieur Durtal. Seul Gaspard Pierdini, le jardinier, a bénéficié d'un don entre vifs. Mais le testament ne fait pas davantage mention de lui. Mademoiselle Duchemin lui a donné la maison dans laquelle il vit, n'est-ce pas ? Et le terrain attenant, oui, ainsi que toutes les installations horticoles. Êtes-vous en possession de l'acte de donation ? Bien sûr. Mademoiselle Duchemin m'avait convoqué et la chose a été faite en bonne et due forme.
Et quand a eu lieu cette donation ? L'été dernier, le 1er août, très exactement. Mais pour en revenir à notre affaire, j'ai fait exécuter toutes les analyses demandées par ma cliente. Je suis curieux d'en apprendre les résultats. Ils sont décevants. Ni le chocolat, ni la fraction de gâteau ne comportent la moindre substance nocive. Le laboratoire est formel. Par contre, il l'est moins à propos des cheveux et des rognures d'ongles. Ah, de l'arsenic ? Justement pas. Ni aucun produit similaire. Toutefois, le rapport du laboratoire comporte une restriction. Ces fragments organiques sont imprégnés d'une substance étrangère que l'on ne retrouve pas normalement dans de tels déchets et que le laboratoire n'a pas été capable d'identifier. Mais comment cela ? Les cheveux et les ongles de Mademoiselle Duchemin comportaient des traces de substances inconnues, non catalogables, mais inhabituelles. Curieuse. Cela semblerait donc incriminer la cuisinière Marthe Bridet. Enfin, d'après Mademoiselle Yolande, bien sûr. Oui. Mais la chose n'a pu être précisée scientifiquement. Que dois-je faire ? Enfin, où se trouve mon devoir ? Car j'omets de vous lire le post-scriptum. Si aucune substance vénéneuse n'est retrouvée dans les objets ci-joints, Maître Brasier est prié de garder le secret absolu sur cet envoi et de distribuer ma fortune comme prescrit dans le testament. Voyez devant quel dilemme je me trouve. Je pense que nous touchons au but, Maître Brasier. Et sur ce, pas un mot de tout cela. La prochaine visite que vous recevrez à ce sujet sera celle du juge d'instruction de Melun. Ainsi, plus de remords, dormez sur vos deux oreilles. Je ne suis pas venu vous voir, comprenez-vous ? Je vous remercie, monsieur Durtal. Allô, Marie ? C'est Picoche. Le patron est rentré ? Oui, c'est urgent. Bon, j'attends. Allô, monsieur Durtal ? Dites, patron, si vous voulez jeter un coup d'œil là-bas, faut y aller tout de suite. Il est à Paris, vous risquez rien. Ben justement, je peux pas vous accompagner. Je suis un peu indisposé. Non, non, patron, pas de fièvre. Non, mais je peux pas bouger de chez moi. Ben, rien de grave, non. Enfin, je suis pas très bien. Je vous raconterai. Hein? Non, elle est adorable. Non, c'est la mère Potion, là, mademoiselle docteur. Ah, celle-là, je la retiens. Là. Non, mais vous, je ne veux pas vous retenir. Il faut vous dépêcher. Hein. Mais il n'y a personne. Excusez-moi, patron. Il faut que je raccroche en vitesse. Vous voilà chez vous, père Gaspard. Quant à vous, Marthe, je vous conduirai jusqu'au grand portail. Oh, vous voulez rire, monsieur Gustave. Vous pouvez bien y aller à pied. Non, ben, non, non, non. Je tiens à ce que mes invités n'aient pas à se plaindre de moi. Et puis la nuit commence à tomber, ce jardin est sinistre, mais... Mon Dieu ! Il y a de la lumière chez moi. Vous aurez laissé allumer, Gaspard. Ça, jamais de la vie. Il y a quelqu'un chez moi. Oh, par exemple. Eh ben, je vais entrer avec vous, on verra bien ce qui se passe. Nous allons vous accompagner tous, ce sera plus gai. Non, non, pas toi, Lucienne. Reste avec Marthe dans la voiture. Oh, mais pas du tout. J'ai signé ce matin, la femme doit suivre son mari. S'il y a quelqu'un chez Gaspard, nous allons tous lui demander ce qu'il veut. Inutile, le voici qui vient à notre rencontre. Moi, je ne le connais pas. Et moi non plus. Et moi, oui. C'est monsieur Durtal. Bonjour, monsieur. Je suis navré, monsieur Duchemin, de vous importuner le jour même de votre mariage. Mais je vous avais prévenu que mon mauvais roman policier pouvait vous réserver une surprise. Vous avez à me parler ? Oui. Si monsieur Gaspard veut bien nous donner l'hospitalité encore quelques instants. Dites, il faudrait voir. Qu'est-ce que vous fichez chez moi pendant que je suis pas là ? Je vais vous traîner au commissariat, oui ? Voilà ce que je vais faire. D'abord, qui êtes-vous ? Monsieur Durtal travaille pour la police, Gaspard. Ah. Et comment êtes-vous entré ? Croyez-vous que cela ait beaucoup d'importance, monsieur Perdini ? Et vous me connaissez ? Mais moi, je sais pas qui vous êtes. Et vous n'avez rien à faire ici, sous chez moi. Nous aurions avantage à savoir ce qu'il veut, Gaspard. La police est tenace. Si nous renvoyons ce monsieur aujourd'hui, nous en aurons d'autres sur le paletot demain. Alors, autant nous ouvrir votre porte. Vous pouvez venir dans ma cuisine, si vous voulez discuter. J'ai encore de la mirabelle maison. Monsieur Durtal, mais n'ayez pas l'air si grave. Vous nous glacez. Mais qu'est-ce qui se passe donc ? J'ai une mission très pénible à remplir. Père Gaspard, vous devriez comprendre laquelle ? Voulez-vous me suivre à Paris ?
Ma voiture est à 100 mètres. Ça vaudrait peut-être mieux. À cause de la petite. Vous parlez de moi ? Je peux tout entendre, je suis plus une enfant maintenant. Seulement, il faudrait que je puisse fermer la maison. Les volets, le compteur à gaz, tout, quoi. C'est entendu, prenez votre temps. Nous vous attendrons dans la cuisine de Madame Marthe. J'aurai vite fait. Je peux vous aider, Gaspard ? Non, petite, non. Ma maison, il n'y a que moi qui la connais. Et puis une femme doit suivre son mari, vous venez de le dire. Allez tout chez Marthe. Je serai pas long. Allons, venez. Je crois qu'il est préférable que les dames donnent un coup de main, Monsieur Berdini. Mais il vient de dire... Monsieur Durtal a dit que c'était préférable, Lucienne. Ne discute pas, mon petit. Donnez-moi la clé de la cuisine, Marthe. Tenez, la voilà. Vous nous y rejoindrez quand vous aurez terminé. Très bien, Monsieur Gustave. Quand la justice est en marche, on ne peut plus l'arrêter, n'est-ce pas, Monsieur Durtal ? On ne doit pas l'arrêter. Sinon, il n'y aurait plus aucune vie sociale possible. Évidemment. Pourtant, parfois, la victime paraît plus coupable que l'assassin. Entrez donc. Et asseyez-vous. Merci. Qu'avez-vous découvert chez Gaspard, Monsieur Durtal ? Une littérature qui ne lui va pas. Expliquez-vous. Vous connaissez Gaspard mieux que moi. Il sait tout juste lire, je crois. Eh bien, voici un livre d'histoire. Adrienne le Couvreur. Curieux, n'est-ce pas ? Mais en effet, je ne me serais pas attendu. Adrienne le Couvreur. Mais bon Dieu ! Et voici un autre livre, très ancien. La Renaissance italienne. Par exemple ? Vous avez trouvé ça chez lui ? Dans le tiroir de sa table de nuit. Il y a tout un chapitre consacré au poison, et en particulier au poison subtil, ce que l'on respirait sur une paire de gants, un mouchoir, une lettre. Il y a même des formules, l'une d'elles est marquée au crayon rouge. Un mélange compliqué de drogue et d'herbe, dont paraît-il les effets rappellent ceux de l'anémie pernicieuse. Adrienne le Couvreur a bien été empoisonné en respirant un bouquet de fleurs, n'est-ce pas ? Et c'est la thèse généralement admise, en effet. En tout cas, c'est celle développée dans ce livre que je connais. Or, tous les matins, votre tante exigeait que Gaspard lui apporte au réveil un bouquet de fleurs fraîches. Et ceci en toute saison. Je crois que c'est clair. Mon Dieu. Gaspard. Mais pourquoi lui ? Ma tante lui avait donné la maison et le terrain avoisinant, avec les serres. Ce jour-là, votre tante a signé son arrêt de mort. Mais comment cela ? Tant que Gaspard craignait de perdre sa maison et ses fleurs, il n'osait rien faire. Dès le jour où il a été tranquille de ce côté-là, rien ne le retenait plus. Il pouvait accomplir sa vengeance. L'acte de donation est daté du 1er août. Dès le 15, Gaspard a commencé à empoisonner le bouquet quotidien de sa maîtresse. Sans doute le bouquet d'anniversaire était-il plus fourni que de coutume. Peut-être a-t-il un peu forcé la dose. Toujours est-il que Mademoiselle Yolande s'est sentie mal depuis ce jour-là. Vous parlez de vengeance. Yolande ne lui avait rien fait. De quoi se serait-il vengé ? Il nous le dira lui-même, mais j'ai ma petite idée à ce propos. Lisez cela. Qu'est-ce que c'est ? Laboratoire d'analyse, Terma, rue de l'Évêché. C'est un certificat d'autopsie. Mais il s'agit d'un animal ? Chat, mâle, siamois, âgé de 5 ans. L'autopsie prouve qu'il a été empoisonné à la strychnine. Je comprends toujours pas. Gaspard aurait essayé ses poisons sur un chat ? Vous n'y êtes pas, monsieur Dichemin. Regardez la date du document. Novembre 1934 ? Comment ? Il y a 30 ans ? Le père Gaspard n'était pas pressé. Pouvez-vous me dire si votre tante aimait les animaux ? Elle les détestait. Le malheureux Gaspard passait sa vie à supprimer sur son ordre les insectes, les escargots, les hérissons qui pourtant protègent les cultures, et même les oiseaux. Le jardin a toujours été plein de pièges, ça me faisait horreur. Un jour j'ai voulu venir avec mon chien, j'ai bien cru que... Mais au fait, à quoi pensez-vous, monsieur Durtal ? Une idée assez vague. Il y a au-dessus de la cheminée du bonhomme le portrait d'une jeune fille entourée de fleurs. Bien sûr, sa fille, qu'il adorait. Elle est morte à 20 ans. Ah, le vieux ne s'en est jamais consolé. Sur ce portrait, la jeune fille tient un chat dans ses bras. Un chat siamois, justement.
Votre tante haïssait les animaux. Cette jeune fille semble aimer profondément son chat. On pourrait faire là un rapprochement, qu'en pensez-vous? Ah, mais j'attendais pas. Ouf, quel froid! C'est presque terminé là-bas. Mais Gaspard a écrit une lettre. Évidemment, il n'écrit pas très facilement, ça a pris pas mal de temps. Il m'a demandé de vous l'apporter tout de suite, monsieur Durtal. Et Marthe, elle est restée avec lui? Marthe est en train de terminer la vaisselle et de mettre la cuisine en ordre. Gaspard est monté pour faire sa toilette et préparer une valise. Voyons ce billet. Vous avez tout découvert. Même le certificat d'autopsie du chat. C'est la patronne qui l'a empoisonné parce que ma fille ne voulait pas s'en défaire. Ma chère fille devait mourir l'année suivante. Cette mauvaise action lui a causé son plus grand chagrin. Elle a pleuré pendant les 3 derniers mois de sa vie. Ce sont des choses qui ne se pardonnent pas. Je demande pardon à la petite Lucienne de lui assombrir le jour de son mariage, mais je ne regrette rien. Inutile de faire un procès. Bon Dieu! Où l'avez-vous laissé? Je vous l'ai dit, il est monté au premier. Il a dit qu'il allait faire sa valise. Monsieur Gustave! Monsieur Gustave, venez vite! Gaspard s'est enfermé dans sa chambre. Quoi? Il ne répond pas. J'ai beau frapper. Oh, non, non, Duchemin, restez là. Restez là avec Lucienne, j'y vais. Pourquoi ne répond-il pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-il fait? Oh, chérie, j'ai peur. Mon pauvre petit. La vie est plus triste que tu ne le penses, et les gens ne sont pas tous aussi bons que tu le crois. J'ai peur, chérie. La vie, pourtant, c'est si beau. Mais oui, la vie est belle. Donne-moi la main. Je te promets d'essayer de te la rendre douce. Le petit chat est mort. C'était une pièce policière d'Isabelle Villard. Nous vous rappelons la distribution. Roland Durtal, René Habib. Le commissaire gallois, André Davier. Picoche, Sacha Solnia. Gustave, Maurice Vambi. Gaspard, Maurice Auffert. Le notaire, Édouard Nerval. Marie, Claude Abran. La doctoresse du chemin, Monique Mani. Mademoiselle Ève, Iris Avichet. Marthe, Germaine et Pierre. Lucienne, Denise Gouverneur. Une marchande, Germaine Tournier. Assistant, Éric Miche. Mise en onde, Roland Sassy.